Vous êtes sur RTL. 8h. Et c'est donc à vous, Thomas, pour RTL Soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Les jours passent et le bilan s'alourdit. On en est désormais à 117 féminicides en France depuis le début de l'année. 117 femmes tuées par leur compagnon ou par leur ex. Alors que le Grenelle contre les violences conjugales se poursuit, une femme a décidé de s'engager publiquement, concrètement. Elle s'appelle Tiphaine Auzière, avocate, mère de famille et fille de Brigitte Macron. Sa notoriété, elle veut la mettre au service de ce combat. Tiphaine Auzière qui sera mon invitée tout à l'heure à 18h15 sur RTL. Les autres grands titres d'actualité. C'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La lutte contre l'hydre islamiste, mode d'emploi, information RTL. Le préfet de police de Paris vient d'adresser une lettre à ses troupes sur la prévention et le signalement des fonctionnaires radicalisés. Autre information RTL, le récit du jeune policier stagiaire qui a abattu le tueur de la préfecture. Il décrit un homme comme possédé et se dit très marqué psychologiquement. Il n'endort plus. Dans l'actualité également, une attaque contre une synagogue en Allemagne en plein Yom Kippour. Bilan 2 morts et 2 blessés graves, ça aurait pu être bien pire. La Turquie a lancé l'assaut contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie. La France condamne très fermement et a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. La SNCF, tu l'aimes ou tu la quittes, plus d'un millier de salariés sont partis de l'entreprise l'an dernier. Et puis, 9 minutes à peine, c'est le temps record qu'il a fallu à Céline Dion pour écouler ce matin les 55 000 places de son concert l'été prochain aux Vieilles Charrues. C'est du jamais vu. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en hausse de 0,78% à 5 499 points. Les courses à Lyon, Paris, il fallait jouer le 5, le 14, le 13, le 8 et le 3. La météo est avec Peggy, c'est le retour d'un temps plus calme demain. Bonsoir Exactement. Peggy. Exactement, bonsoir Thomas. Il restera quand même quelques averses, mais plus rares et plus faibles entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Les éclaircies reviendront dans l'après-midi, nuageux et humides également dans les régions centrales. Ailleurs, retour des éclaircies et même du plein soleil dans l'après-midi entre les Pyrénées et la région PACA. Et puis les nuages reviendront quand même au fil des heures sur les côtes de la Manche. Ça soufflera fort également près de la Méditerranée. Des rafales jusqu'à 80 km/h, 100 km/h même en Corse, sous des températures en hausse de 16 à 19 au nord, de 18 à 25 au sud. Merci, à tout à l'heure. RTL Soir. Près d'une semaine après l'attaque à la préfecture de police de Paris, l'heure est à la mobilisation. Hier, Emmanuel Macron a rendu hommage aux 4 fonctionnaires tués en appelant à l'Union nationale contre l'hydre islamiste. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. C'est vous qui nous le révélez ce soir. Dès lundi, le préfet de police a adressé une lettre à ses services, une sorte de serrage de boulons pour que les radicalisés ne passent plus entre les mailles du filet. Oui, une note de 2 pages à destination des directeurs de services de la préfecture. Didier Lallement les appelle à signaler immédiatement tout signe d'une possible radicalisation. Et ces signes, le préfet les détails, un changement physique, vestimentaire, alimentaire, le refus de serrer la main du personnel féminin, un repli sur soi ou un soudain rejet de l'autorité, de la vie en collectivité. Le préfet indique ensuite la marche à suivre, informer la hiérarchie, puis son bureau qui signalera tout comportement à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Didier Lallement s'appuie sur l'article L114.1 du Code de la Sécurité Intérieure, un article qui permet de muter et même de radier un agent dont le comportement serait jugé comme radical. Par ailleurs, le préfet a reçu aujourd'hui une délégation de syndicats de police. Il leur a confirmé que les procédures de sécurité au sein de la préfecture et dans ses annexes seraient entièrement revues. Merci Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Autre document RTL ce soir, le récit du jeune policier stagiaire qui a abattu le tueur de la préfecture de police. Ce jeune homme n'a que 24 ans. Il était sorti depuis 6 jours seulement de l'école de police lorsque Michael Harpon a lancé son attaque sanglante. En quelques minutes seulement, 4 fonctionnaires ont donc été tués. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Le jeune policier a dû réagir très vite et il a fait preuve d'un sang-froid vraiment impressionnant. Oui, il a su gérer à 24 ans ce face-à-face glaçant avec un terroriste. C'est cette scène qu'il raconte d'ailleurs lors de son audition jeudi dernier, quelques heures seulement après les faits. 30 secondes de face-à-face qui lui ont paru une éternité. Dès qu'il arrive dans la cour jeudi dernier, dès qu'il voit le terroriste toujours menaçant avec son couteau ensanglanté, il porte son arme à l'épaule et hurle les premières sommations. Michael Harpon se retourne alors vers lui, le regarde dans les yeux. Il semblait possédé, c'est le mot qu'il emploie lors de son audition. Et il décrit ensuite comment le terroriste lentement, pas à pas, s'avance vers lui en le fixant toujours dans les yeux. Le policier crie à nouveau les sommations d'usage une dizaine de fois. En vain, Michael Harpon est alors à 5 mètres de lui. D'un seul coup, il se met à courir. Le jeune gardien de la paix tire 2 fois. Le terroriste est enfin neutralisé. Et alors Olivier, comment va-t-il ce jeune homme aujourd'hui? Eh bien, il est encore très choqué. Il l'a expliqué, il a écrit à sa hiérarchie. Il a du mal à manger. Une semaine après les faits, il a toujours
beaucoup de mal à dormir. Surtout, il ne s'imagine pas pouvoir reprendre le travail à la préfecture de police de Paris. On ne le lui demandera d'ailleurs sûrement pas, d'abord pour des raisons de sécurité. C'est un policier qui a tué un terroriste. C'est l'usage. Il sera muté probablement très loin de Paris. Document RTL signé Olivier Bois. Ce matin, la polémique a commencé à enfler autour d'une manifestation prévue demain à Gonesse, là où habitait Michaël Harpon. En effet, un activiste politique appelait au rassemblement en soutien aux terroristes. Christophe Castaner a dénoncé une insulte, une infamie. Le rassemblement est finalement interdit. L'actualité de ce mercredi soir nous emmène également en Allemagne, où une attaque en pleine rue a fait 2 morts et 2 blessés graves. Ça s'est passé à Halle, près de Leipzig, dans l'est du pays. Oui, c'est d'abord une synagogue qui a été visée, et cela en plein Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, la fête juive du Grand Pardon. Un restaurant turc a également été pris pour cible. Blandine Milsan, vous êtes la correspondante d'RTL en Allemagne. Bonsoir. Bonsoir. Le bilan aurait finalement pu être beaucoup plus lourd. Oui, absolument. On a sans doute évité un carnage car les auteurs de cette attaque voulaient pénétrer dans la synagogue de Halle où se trouvaient ce matin environ 80 personnes en raison de la fête du Yom Kippour, comme vous l'avez dit. Mais ces individus n'ont pas réussi à entrer, ils n'ont pas réussi à faire glisser la solide porte d'entrée. Donc, restés à l'extérieur, ils ont lancé une grenade d'abord dans le cimetière de la synagogue, puis une autre grenade sur un restaurant turc où l'un des agresseurs a tiré des coups de feu. L'un des employés de ce restaurant raconte... Il s'est comporté comme un professionnel. Il n'a pas crié, il n'a rien dit. Il est arrivé tranquillement et il a tiré. Il est allé chercher un autre pistolet dans sa voiture. Il est revenu et il a continué à tirer. Les auteurs de l'attaque se seraient ensuite enfuis à bord d'une voiture. À la suite d'un accident, l'un d'eux a été arrêté. L'autre ou les autres sont toujours recherchés. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête et selon sa porte-parole, il y a suffisamment d'indices pour estimer que cette attaque a un lien avec les milieux de l'extrême droite allemande. Merci Blandine Milsan en direct de Berlin pour RTL. En Syrie, on le redoutait et nous y sommes. La Turquie vient de lancer son offensive. C'était le risque depuis lundi matin quand Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines présentes dans le nord du pays. Le président américain laissait ainsi le champ libre à Ankara pour intervenir contre les Kurdes. Ce sont pourtant eux qui sont en première ligne dans la lutte anti-djihadiste. Bonsoir Pierre-Julien. Bonsoir. Malgré les atermoiements du président américain et une mise en garde de Vladimir Poutine, eh bien le président turc Recep Erdogan a lancé l'assaut cet après-midi. Midi. Oui, c'est l'exode. Pour des milliers de civils paniqués, ils prennent la fuite en voiture, à moto et même à pied, en portant avec eux quelques sacs et valises. En effet, toute la journée, les avions de combat d'Ankara ont multiplié les raids sur la ville de Ras Al Ain et ses environs où il y a déjà des morts. Des obus sont tombés également sur ce fief des unités de protection du peuple kurde, en abrégé les YPG. L'artillerie lourde turque a pris aussi pour cible les localités de Talabia, de Kamchimli, d'Ainissa. C'est donc bien une grande partie de la bande frontière avec la Syrie que les soldats de Recep Erdogan vont tenter d'occuper. 120 km de long sur 30 de profondeur. La milice kurde a proclamé la mobilisation générale. Leur bannière jaune frappée d'une étoile rouge déployée. Les Peshmergas sont prêts à mourir. D'ailleurs, s'attendant à être attaqués par l'infanterie et les blindés turcs, ils ont creusé des tranchées, dressé des obstacles, barbelés, mines, pièges et déployé tous leurs tireurs d'élite. Merci Pierre-Julien. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence et à huis clos demain matin. Réunion réclamée par plusieurs pays européens, dont la France, qui condamne très fermement l'offensive turque. L'OTAN appelle Ankara à la retenue et le Congrès américain promet de faire payer très cher à la Turquie. Il se passe vivement quelque chose de très très grave en ce moment dans cette partie-là du monde. On fait une courte pause et dans un instant, on va se demander pourquoi la SNCF ne sait plus séduire ses salariés. 18h08. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, il est 18h10, on vous retrouve Thomas Soto avec Isabelle Choquet pour la suite du journal. Et pour parler de la SNCF, quand on ne l'aime plus, on la quitte la SNCF, elle est devenue beaucoup moins attirante pour ses salariés semble-t-il. Oui, très visiblement, selon le bilan social 2018, plus d'un millier de cheminots sont partis de l'entreprise l'an dernier, 1025 exactement, c'est un bond de 34% en un an. Évidemment, c'est bien peu sur les quelques 143 000 employés, mais c'est une tendance significative Arnaud Touche. Oui, car en 2017, il n'y avait eu que 763 démissions, beaucoup de cheminots, donc purement et simplement décidé de quitter l'entreprise l'année dernière. On note aussi une augmentation des ruptures conventionnelles. Elles ont presque doublé depuis 2016, selon nos confrères du Parisien. Et les raisons de ces départs sont bien souvent les mêmes. Certains cheminots ne reconnaissent plus leur entreprise aujourd'hui et manquent parfois de perspectives. Alors la direction des ressources humaines confirme que les démissions sont plus nombreuses, mais souhaite également tempérer les choses. Elle explique que le nombre de ces démissions est dans la moyenne des grandes entreprises et que des postes sont toujours à pourvoir, notamment en tant que chaudronnier ou encore mécanicien.
Mais pour les syndicats, ces départs pourraient se multiplier avec la fin du statut pour ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier prochain. Ils craignent que le métier ne séduise plus et que les salaires ne soient pas à la hauteur. Précision signée Arnaud Touche pour RTL. C'est un chiffre effarant qui a été publié ce matin. La facture de l'EPR de Flamanville va encore s'alourdir d'1,5 milliard d'euros. On en est désormais à près de 12,5 milliards. C'est 4 fois plus que l'estimation initiale. En cause, des problèmes de soudure sur le réacteur nucléaire. Pour les réparer, il va falloir utiliser des robots télécommandés extrêmement sophistiqués. Pour Yannick Rousselet de Greenpeace, la plaisanterie a assez duré. Il est clair que le fiasco continue. On est dans un échec industriel et économique complet. Le prix de 3 milliards, nous voilà maintenant à 4 fois plus. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est une folie. Nous, on pense qu'il n'est pas encore trop tard pour arrêter. Cet EPR, pour le moment, n'est pas radioactif, il n'est pas contaminé. Il faut absolument qu'on arrête ces travaux parce qu'on n'en verra pas le bout. Les travaux qui sont à venir sont considérables, très 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 compliqués. Et rien ne dit que d'un point de vue de la sûreté, il soit acceptable à l'arrivée. Le risque est très important à partir du moment où on cumule à de nombreux endroits des imperfections qu'on a bricolées, on va dire, pour tenter de démontrer que finalement ça tiendra. Ce réacteur intrinsèquement est déjà un problème, un risque en lui-même. Yannick Rousselet de Greenpeace, joint pour RTL par Sophie Jousselin. En Californie, 800 000 foyers vont être privés d'électricité préventivement. Il s'agit d'éviter les risques d'incendie alors que le temps est très sec et très venteux. Le prix Nobel de chimie attribué aux inventeurs de la batterie au lithium, un Américain, un Britannique et un Japonais. Ce sont ces batteries qui équipent nos smartphones, mais aussi les voitures électriques très demandées en ce moment. C'est un marché d'avenir. On va finir avec la perf du jour. C'est pas du sport, c'est du Céline Dion. Les 55 000 billets du concert prévu mi-juillet au Festival des Vieilles Charrues ont été vendus ce matin en un temps record. Écoutez bien, moins de 9 minutes. Le directeur du festival... Non, c'est clair. Le directeur du festival, Jérôme Tréorel, n'en revient toujours pas. Encore un soir. 9 minutes. 9 minutes, plus de billets. L'ensemble des billets qu'on avait mis en vente sont partis en 9 minutes. Donc c'est lunaire. On n'a jamais vécu ça aux charrues. On savait que ça partirait vite, mais on ne savait pas si c'est quelques semaines, quelques jours ou quelques minutes. Et c'est quelques minutes. Et c'est le plus beau cadeau que les festivaliers peuvent nous faire, c'est celui-là. Nous, c'était de programmer Céline Dion. Donc on voit que l'attente qu'on avait mesurée sur les réseaux sociaux ou dans la rue auprès des gens, elle s'est vérifiée. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'aux Vieilles Charrues, on a vendu une journée en 9 minutes. Et puis sur Internet, ça n'a pas planté et tout est parti, quoi. 55 000 places en 9 minutes. C'est ça. Incroyable. Oh bah si, quand même. Elle est modeste, Céline. L'info, c'est quand même que Internet n'a pas planté. Et vous noterez que dans le même temps, les 200 000 places des 6 concerts prévus à Paris à la Défense Arena au début de l'été ont disparu, elles, en 1h30. Donc bref, aujourd'hui, Céline Dion a vendu 250 000 places de concerts en moins de 2 heures. Ça calme quand même. Hein. Un peu. Entre le premier extrait et celui-là, c'est là qu'on se dit que ce qu'a fait Goldman pour Céline Dion, c'est quand même super bien. Hein. Encore un score. On est assez d'accord, mais vous êtes fan. RTL Soir, il est 18h14. Une plateforme internet pour aider les femmes victimes de violences conjugales. C'est une idée qui se concrétise. Elle est signée Tiphaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, qui a décidé de mettre son influence au service d'une cause qui mérite toutes les attentions. Elle est tout de suite l'invitée d'RTL Soir. Et pour poser des questions à Tiphaine Ozière, 3210. Thomas Soto, RTL Soir.